Jerryou, on se retrouve sur MPTV aujourd'hui pour un gameplay Will Jedi, notre ami Will Jedi. Alors ne vous affolez pas, si vous voyez la vidéo au départ en accéléré, je vous explique pourquoi. Je sais pas du tout, en fait c'est mon Elgato qui a pété un plomb. Alors au début de la vidéo c'est... Il faut pas s'attarder dessus, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est pas lui qui est aussi rapide, même s'il est très très rapide, et vous allez voir, il est presque aussi rapide que la vidéo qui est en train de bugger dans tous les sens. Alors, au début de la vidéo ça fait ça, puis vous allez voir, tout va rentrer dans l'ordre, petit à petit, je sais pas ce qui se passe, de toute façon c'est la vidéo elle démarre un peu mal on va dire, mais ne vous inquiétez pas, tout va rentrer dans l'ordre, petit à petit. Ce n'est pas ma faute, je suis à la dure, c'est à cause de Elgato Gaming. Elgato HD Gaming, ouais. Capture Gaming. Voilà, donc là, on est là avec notre ami Will Jedi, donc, qui signe son grand retour dans le dessert tour, dans la compétition. Dans la compétition officielle, pardon, excusez-moi, j'ai eu un bug parce que j'étais sur l'action qu'il vient de faire. Là, vous allez voir, il y a un problème même. En fait, la vidéo, c'est stabilisé, mais en fait le son il est du retard, mais ça aussi, voilà, vous voyez là, ça tire, mais vous entendez après, ça aussi ça va rentrer dans l'ordre dans quelques secondes. Bref, on revient à notre vidéo, et en fait je vous explique, là c'est Will Jedi qui fait son retour en fait dans le monde des Certos, tout simplement parce que comme vous le savez, il était chez les snipers. Finalement bon voilà quoi, c'est un garçon, il est tellement il est phénoménal au snipe, attention, il est vraiment bon dans toutes les catégories, mais voilà quoi, le mec il est fait pour ça, il est énorme, c'est explosif, c'est puissant, ça part dans tous les sens, et vous allez voir là je veux dire, vous êtes en temps réel, hein, c'est pas la vidéo qui est accélérée, et vous allez voir que vraiment ce mec c'est la folie quand il joue, c'est la folie. Je peux même vous dire un truc, je veux dire, ses propres camarades qui sont des aliens, là ça a bugué, c'est une gros freeze, ne vous inquiétez pas, à partir de là voilà, ça va revenir normalement, voilà, là je crois que c'est bon, on est bon, voilà, le son est bon, l'image est bonne, allez c'est parti. Ses propres coéquipiers, je veux dire, qui sont des aliens tout simplement comme lui, c'était Ichu, Rixu, Alex, Ichimi, et Meiji, je veux dire, de leur propre bouche quoi, ils m'ont dit, ce mec, il est pas normal, et vraiment, Will Jedi, je veux dire, c'est énorme, parce que là, le gameplay qu'il réalise, préparez-vous bien, parce que c'est ça une série de points, c'est-à-dire, il va mettre, en fait, je vais pas dire, il va nous rentrer, parce que je l'ai déjà fait dans la vidéo d'Alex, un peu exprès, donc je sais pas si ça va faire un buzz aussi, ça va se moquer de moi, là, en fait, il va tout simplement réaliser 123 kills sur Nicktown, uniquement à l'arme, c'est-à-dire, il n'y a pas de série de points, comme vous pouvez voir, il a juste un drone, un drone de brouillage, il n'y avait même pas la micro-station orbitale, en fait. À la base, le gameplay, on l'a fait parce qu'on tentait de faire un plus 100 kills, en fait, au snipe. Et c'est Dragon qui était chargé de le faire, avec son nouveau code CC Brain, à qui je tire un gros clin d'œil. Je sais pas, le mec, c'est une légende, Dragon Slayer, du coup, je m'appelle CC Brain, donc c'est tout à son honneur. Et là, à la base, on devait tenter du 5 kills en fait au snipe. Et ce qui s'est passé, c'est que Will Jedi, qui a même pas de micro-station orbitale, parce qu'il a pas débloqué en fait, qui a même pas mis une gardien ou quoi que ce soit dans la partie, joue avec un drone de brouillage. Et vous allez voir ce qui va se passer, c'est que finalement, le gameplay qu'on avait prévu initialement de faire, c'est-à-dire au snipe, va se transformer en une boucherie totale. Regardez comme ça joue. Regardez comme il enchaîne. C'est un truc de malade. Je vous dis honnêtement, voilà. Moi clairement, voilà, si de tout ça, je veux dire, tous les monstres et tout, ils le savent, hein, je le trouve vraiment extraordinaire. C'est vrai que Rixu, quand on le voit jouer, déjà, c'est. Voilà, moi je veux dire Rixu quoi, c'est que ça va dans tous les sens, quoi, ça bouge dans tout. C'est un truc de malade. Mais quand j'ai vu jouer Will Jedi, moi la première fois, je me suis dit, c'est pas possible, ça existe, c'est du... ça existe,
Voilà, tout simplement. Et là, ils ont au jour d'aujourd'hui, je me répète un petit peu, un groupe de dingue. Donc là, il a 47-6 en très peu de temps de jeu. Ouais, 5 minutes, en gros, c'est qu'est-ce que 15 minutes que j'ai. Donc là, vous allez voir ce qu'il fait. Ce gameplay, en fait, voilà, le score, vous le savez, c'est 123 kills, alarme et tout ça. Mais en plus, il a la particularité, c'est que c'est vraiment dynamique. Ça part dans tous les sens, c'est une boucherie, c'est il bouge. Quand il joue, je veux dire, il me rend dingue parce que ça me donne mal à la limite, mal à la tête, quoi. C'est la sensibilité 14 et c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il bouge, il drive les armes, il a 500 armes sur lui, je sais pas comment il fait, mais voilà, il m'en fout, il bouge dans tous les sens. Alors regardez ce qu'il fait. Et c'est surtout, je veux vraiment que vous attardiez sur les enchaînements qu'il fait. Il les prend vraiment, je veux dire, voilà, regardez, boum boum, voilà. Hop là, il se fait avoir. Donc, toujours avec C4, viseur réflexe sur la MSMC. Alors, regardez, regardez, regardez-moi ça, regarde ça. Oh là 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 là, c'est une boucherie. C'est une boucherie, ce mec, c'est une boucherie. Il joue donc avec viseur réflexe, chargeur rapide. Donc là, il vient de ramasser une arme secondaire, qui est une MSMC aussi. Et plus il a le petit TAC-40 comme arme secondaire. Mais bon, voilà, concrètement le gameplay se passe à la MSMC, vision réflexe, et regardez, vous allez voir, voilà, il se fait tuer. Mais il fait des enchaînements, c'est fou. Là il a même un snipe sur lui, voilà. Aussi il était pas assez dangereux. Et là, ce gameplay, en fait, on a pensé à une chose de suite après, avec Eric, que j'avais cité dans la vidéo d'Alex, en fait, qui est dans la vidéo de Will Jedi. On a pensé de suite à une chose, on a dit, il vient de tanker un 123 kills, juste avec une arme. Qu'est-ce que ça aurait été si il avait justement les Loadstars, les groupes de chasse, des canons, etc., etc. Donc, je pense qu'il aurait facilement, mais facilement dépassé les 200 kills. Voilà, c'est les circonstances qu'ils ont fait, parce qu'à la base, voilà, le but en faisait le gameplay pour Dragon Slayer. Et finalement, c'est totalement. C'est Will qui s'est une fois de plus fait plaisir. D'ailleurs, il a été extrêmement surpris du mode QG, parce qu'il n'avait jamais joué sur QG avant. Et voilà, il est à 67-68-11. Il a été surpris parce qu'il m'a dit juste après vraiment, voilà, c'est un mode de jeu, quoi. Il y a vraiment on peut faire mal, quoi. C'est un truc de malade. C'est un truc de QG, c'est un truc de malade. Démolition et QG, vraiment, c'est deux modes de jeu que je recommande. Si vous voulez essayer de vous rentrer des nucléaires, alors regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est oh là 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 là. Ça va trop vite, comment. Voilà. Le mec, il vous rentre des 5 pitchers en 30 secondes. C'est un truc de malade. Voilà, regardez-moi ça, regardez-moi. Voilà, c'est un truc de malade. Impitoyable. Quoi, 30 secondes. Laisse faire ici, tu vas avoir bêtement sur le respawn. Mais regardez, c'est une boucherie. C'est une boucherie. Drone de brouillage ennemi. Alors, il est vraiment impressionnant. Ce garçon est vraiment impressionnant et tout son groupe, je tiens à le dire, tous les mecs, Ixou, Alex, Ixou, je me répète, je sais souvent dans les vidéos je parle d'eux, tout ça, vous allez me dire, mais le mec, il n'arrête pas. Et si je m'arrête pas, justement, c'est parce que j'ai une telle confiance et j'ai une telle. Si vous voulez, je mise tellement sur eux, je compte tellement sur eux, et je veux tellement qu'ils aillent loin, en fait. Je vous le cache pas, regardez comme la chaîne. Je veux tellement qu'ils aillent loin parce qu'ils le méritent. Ils méritent vraiment et je vais les mener vraiment jusqu'au bout. Et je leur ai donné ma parole et on y arrivera. Et puisque c'est pas normal que des joueurs comme ça, surtout les mecs qui sont, parce que c'est des mecs formidables, qui percent pas, quoi, qui explosent pas. Regardez-moi ça, ouais, c'est. Oh là là là. Et là on est relâché, hein, je veux dire, c'est pas la vidéo qui lag, hein, c'est lui qui joue. Hein. Voilà, il a 92-13. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il s'est dit, ah mais tiens, si je dépassais les 5 kills alors.
Et voilà, et de là ça va partir sur du 123. Voilà, regardez-moi ça. Hop là, hop, on repart, on enchaîne. C'est tout de même. Élimination confirmée. Un de moins. Énorme, hein. Ah mais je m'éclate, hein. Pendant que je suis en train de commenter, en fait, je suis en folie devant la vidéo. Rien vient de rentrer une implacable. Hop là. Donc si vous voulez des techniques de rentrer des implacables en une minute, on peut suivre des cours spécifiques avec Cool Jedi. Non, je déconne. Voilà. c'est énorme. Regardez-moi ça. Il est incroyable, le type. Il est incroyable. Ah mais c'est... Je suis admiratif en fait, le gameplay en lui-même, je suis en train de vous commander, là il est mort en total. Mais je suis admiratif, quand je l'ai pas joué, moi chaque fois je... Il est ça, hein, parce que je m'éclate, quand je fais les vidéos, je capture les vidéos et tout ça, pour vous les présenter et tout. Et c'est vrai que voilà quoi, je suis... Le plus gros trip que j'ai pris, d'ailleurs bientôt vous verrez toutes ces vidéos de compét sur la chaîne, les TS, tout ça, les Team Scream et tout. C'est quand vous les voyez jouer justement tous ensemble. Et en fait quand je vous les voyais jouer tous ensemble en équipe, en groupe, c'est... genre voilà quoi. Je pense que petit à petit sur notre chaîne de la team, vous avez découvert... vous les connaissez quasiment tous. Bientôt vous découvrirez Baki, Ishu, Meiji, et entre autres, Kevin et tout ça, tout le monde quoi. Et vous verrez que c'est... Voilà, regarde mon cerveau, c'est magnifique. Il m'éclate, voilà. M'éclate, là il est à 111. Ça enchaîne, là il se fait avoir un petit peu bêtement. Il se fait avoir bêtement, un petit peu la même réflexion que j'avais portée avec Sou ou Alex dans les vidéos précédentes. Je veux dire, voilà quoi, il rentre dans le tas, hein. C'est pas... genre le mec en même temps, c'est des joueurs, hein, il rentre dans le tas, je ne sais pas comprendre, c'est voilà, dire ouais, je me vois une fois, deux fois. Parce que pour eux, avec des nucléaires, je veux dire, ils en ont fait tellement que c'est plus d'actualité. Donc le but, c'est de comme avait fait Alex, ils ont un objectif dans leur tête et ils savent très bien ce qu'ils font. Et là, voilà, il a un but. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à la base, quoi, c'est pas lui qui doit faire le gameplay. Et finalement, ça s'est transformé en gameplay Wood Jedi, quoi. C'est ça qui est rigolo dans l'histoire. Donc grosso modo, pour vous annoncer surtout le grand retour de Will dans la compétition des Certo. Car le snipe, ça l'a foulé tout simplement, ça l'a gonflé, ça passait pas. Enfin, voilà, d'ailleurs il y a eu des grosses structurations de groupe dans les sniping au sein de la team. Parce que voilà, quoi, ça, pour certains ça blablatait beaucoup, mais ça faisait pas grand chose concrètement. Et vu que c'est des joueurs compétitifs et qu'ils ont besoin de jouer avec d'autres joueurs compétitifs et surtout d'apprendre, parce que vous progressez à chaque fois quand vous jouez en compétition, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les parties en ligne ou quoi, vous progressez énormément, je veux dire, vous revenez en ligne, je veux dire, quand vous avez fait de la compète, vous voyez une différence de niveau de immédiate chez les joueurs. Et là, regardez, hop, il s'en vient le truc, boum, et c'est parti, voilà. Et donc voilà, c'est trop serré. Là, hop, et on repart. Il enchaîne encore. Là, attention, c'est parti. Hop, là, il s'est fait avoir bêtement. Eh ben, un plot. Voilà, je vous avais parlé du plot dans la vidéo d'Alex. Il semble. Et ben là, on a eu l'exemple du second plot. En fait, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a toujours un plot planqué quelque part dans Black Ops. Un petit mot pour Call of Duty Ghost. Il vient de faire récemment la présentation du multi et tout ça. J'attendais énormément la présentation du multi. Alors je sais que le jeu il est critiqué, il est décrit. Voilà. Moi personnellement Ghost, j'attends, j'y adhère et voilà. C'était Will Jedi, 123 kills sur MBTV.